Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomen Fla, bienvenue aujourd'hui pour cette première demi-finale de cette Phénomène Cup. Au programme, Legia Varsovie, Hambourg. Ah les amis, je suis tellement content de vous retrouver dans un magnifique stade d'ailleurs. On est là aujourd'hui pour vivre cette demi-finale, Legia Varsovie, Hambourg. Et aujourd'hui c'est une place en finale qui se joue pour savoir tout simplement quelle équipe va être sélectionnée et laquelle, évidemment, je vais entraîner sur FC25. Une chose est sûre, c'est que les deux équipes vont se donner à fond. Elles sont là, c'est pas pour rien. Il faut dire qu'en même temps, ce sont deux très belles équipes qui nous ont montré de belles choses en phase qualificative, en phase de groupe. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est très simple, que le meilleur gagne, tout simplement. Et d'ailleurs, vous avez pu le remarquer, nous sommes dans le stade de San Siro à Milan, pour ceux qui l'auraient remarqué. Alors, Legia Varsovie, pas besoin de présenter l'équipe, vous la connaissez d'ores déjà. Ils joueront en 3-4-3 habituel, avec bien évidemment Pekhart, Josué et Goual, qui sont les hommes à suivre du côté du Legia Varsovie, les hommes clés qui ont permis à cette équipe d'arriver aussi loin dans la compétition. Mais attention, du côté de Hambourg, il y a aussi des hommes très très importants. Il y a des joueurs d'exception, on a déjà pu en voir déjà un. Ils vont jouer pareil, en 4-3-3 aussi. Et alors attention bien évidemment aux hommes devant comme Bénès, Jatta, Glatzel et Dompé, mais surtout le dernier, Dompé, qui à chaque fois est à la base de toutes les actions du côté de Hambourg. Et bien évidemment Glatzel qui est toujours là en tant que finisseur, qui a déjà sauvé plusieurs fois Hambourg de l'élimination. Maintenant aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que là, s'ils veulent aller en finale, ils vont devoir se donner les moyens. En tout cas les amis, si vous kiffez cette série, comme d'habitude, je le répète, avant que le coup d'envoi ne soit donné, n'hésitez pas à me le montrer en mettant votre plus beau pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. D'ailleurs, avant que le match ne commence, n'hésitez pas à mettre tout de suite vos pronos, qui pour vous va gagner cette première demi-finale. Et sur ce, trêve de blabla, c'est parti donc pour ce match, Legia Varsovie, Hambourg. Et ça commence avec Reis, qui essaie de perforer, Legia Varsovie qui est bien mise en place. Ah, ça va être un match à mon avis qui va se jouer à des détails à mon avis. Tout ce que j'espère, c'est qu'il y aura quand même de l'animation. Pas comme un certain match que nous avons déjà eu, qui a été très très long et très pauvre en occasion. Et on arrive justement à Dompé, l'un des hommes dangereux qui essaie déjà de se défaire. Il va récupérer le ballon chanceusement. Et Dompé face à Josué. Dompé. Dompé, oh là là, Dompé qui leur fait tout. Oh là là, comment il est passé. Ah, et attention, oh, ça revient chanceusement dans les pieds d'Hambourg, attention. C'est bien défendu de la part de Varsovie, qui a une possibilité de contre-attaque s'il écarte à gauche, ce qu'il fait tout de suite vers Goual. Goual, et c'est intercepté par Agnès van der Brent. Et ça, on repart avec Jatta, Glatzel. Glatzel, il va avoir une possibilité avec Bénès, il doit écarter à Dompé. Il ne le fait pas, il va tenter d'y aller. Reis toujours. C'est serré, attention, et Legia Varsovie qui arrive à s'en défaire, mais ça va revenir aussi vite parce que c'est intercepté. Et on revient avec Muheim. Mais à Dompé, attention Dompé qui sont déjà très dangereux dès le début de ce match. Et finalement, Glatzel ne pourra rien en faire du ballon qui lui a été donné. Et on repart de l'autre côté. Alors j'ai l'impression que dès qu'il va y avoir une fissure d'un côté ou de l'autre, ça risque de faire très très mal. Et Pekhart qui avance avec Kuhn. Goual. Goual qui va tenter de perforer et il ne passera pas Agnès van der Brent, quoique il essaie d'aller chercher quand même le ballon. Agnès van der Brent qui remet à Raab. Sean Lowe. Bénès. Bénès qui avance. Bénès qui va avoir une possibilité. Au milieu, il n'y a personne. Il a dans la Ludovic Reis. Il est Mario Glatzel. Robert Glatzel, pardon, pas Mario. Robert Glatzel, donc il n'avancera pas. Et du coup, ça repart de l'autre côté pour le Legia Varsovie. Pour le moment, ça sera coup pour coup au niveau des contre-attaques, mais pour le moment, pas de franche occasion pour le moment. Le match est serré, pas de franche occasion, mais on sent que au moment, comme je l'ai dit, où ça va craquer, je pense que là, le match va s'ouvrir complètement. Et on part par Tchelaka. Flodzek, Pekhart. Pekhart qui va tenter de se mettre, Flodzek qui va frapper, ça passe pas, Pekhart, l'arbitre ne siffle pas de faute, le public n'est pas de cet avis. Le Legia Varsovie réclamait un pénalty qui ne sera pas sifflé. Et du coup on part de l'autre côté pour Hambourg avec Glatzel vers Bénès. Bénès vers Dompé. Dompé qui n'est pas hors jeu, il est parti tout juste. Bénès, Reis, on essaie de faire tourner cette défense. Attention Robert Glatzel, Jatta qui a tenté de passer Kuhn. Et Kuhn qui se défait. Kuhn qui arrive à se défaire de Jatta. Comme quoi la taille ne fait pas tout, hein. Il a beau être plus petit que Jatta, mais il s'est quand même bien battu. Et c'est comme ça qu'il a pu récupérer le ballon. On voit que le Legia Varsovie fait preuve d'une grande détermination dans ce match. Tchelaka, Verilitim, Kuhn. On essaie de redémarrer du côté de Legia Varsovie sur le flanc gauche. Et pour le moment, ça a l'air d'avancer tout doucement. Goual qui a tenté de passer Agnès van der Brent qui est infranchissable. Agnès van der Brent qui est vraiment bien dans son match, sur son flanc droit. Il est infranchissable. Et on redémarre aussi avec Jatta, Reis, Glatzel, toujours les mêmes à l'initiation des attaques. Bénès vers Dompé. Dompé face à Pankov. Dompé peut-il passer? Il passe Pankov. Il avance. Il semble qu'il tape les passos et Pankov récupère ce ballon. Augustiniac, Ribeiro. Et voilà. Ça y est, les Legia Varsovie a su se dégager. On approche tout doucement de la fin de cette première période. Ouh, et attention, ouh, la pression de Glatzel qui était forte là sur le défenseur. Et Elitim qui écarte Verkun. Goual. Pekhart. Et c'est la mi-temps. Ça ne donnera rien. Fin de cette première période. On n'aura pas eu de franche occasion. Mais malgré tout, on sent qu'il y a de l'envie des deux côtés. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, la première équipe qui va craquer, je crois que là, elle va avoir difficile de revenir au score. Ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte d'être très rapidement à cette deuxième période et de voir comment tout ça va évoluer. D'ailleurs, on va regarder les stats tout de suite, voir ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de franches occasions, c'est quand même un match qui peut être assez plaisant. Alors, au niveau des occasions, effectivement, il n'y a aucun tir des deux côtés. Et au niveau possession, c'est assez équilibré. Mais malgré tout, on a pu voir, il y a quand même eu quelques incursions offensives. Allez, on enchaîne tout de suite. Deuxième période. On perd pas de temps, on y va. Et c'est Legia Varsovie qui va donner le tempo de cette seconde période. Et bien récupéré ça de la part de Hambourg. Glatzel vers Bénès. Tompé. Toujours les mêmes acteurs qui mettent leur qualité pour l'attaque du côté de Hambourg. Et voilà Dompé qui va avoir une possibilité là. Il a un grand couloir, il est capable d'y aller à fond. Il va remettre en arrière. Bénès, c'est parti, la frappe et l'arrêt de Tobias. Et ce sera un corner pour Hambourg. Voilà le premier tir de cette rencontre. Et le tir est signé Bénès. Ah, c'est pas joué à grand chose, mais heureusement Tobias était bien sur ses appuis. Il a pu arrêter ce tir. Attention, Legia Varsovie a déjà un premier signal d'alarme. Hambourg n'est pas venu pour rigoler. Et c'est d'ailleurs ce dernier, Bénès, qui va donner ce coup franc, ce corner, pardon. D'ailleurs, il va le jouer en deux temps avec Dompé. On le voit déjà arriver à des kilomètres. Et c'est exact. Dompé. Dompé qui se défait bien du marquage. Dompé, va-t-il aller au bout? Et il la pousse trop loin et c'est un peu gâché cette occasion. Il aurait peut-être dû la jouer plus collectif. Et par contre, là, on perd pas de temps. Tobias qui la relance vers Pankov. On tente de repartir rapidement du côté de Legia Varsovie. Avec Pankov. Tchelaka. Vers Pekhart, ça ne passera pas. Reis était là. Et Meffert qui la donne à Dompé. Dompé, Glatzel qui va l'écarter vers Jatta. Jatta, attention, il va y avoir une possibilité. Tobias encore un parade qui maintient le Legia Varsovie en vie dans cette rencontre. Ce sera de nouveau un corner pour Hambourg qui pour le moment domine clairement les débats dans cette deuxième période. Il est temps que le Legia Varsovie se réveille. Pour le moment, heureusement, ils peuvent compter sur un Tobias très solide. Mais attention que là, on commence à sentir des fragilités. Et cette fois-ci, il va être donné directement dans la surface par Bénès. On va essayer d'aller chercher une tête peut-être. C'est parti. Vers Dompé. Non, qui ne pourra rien faire face à Goual. Ça va revenir parce que Reis est à la réception de ce ballon. Chandlo. Chandlo pour Dompé. Dompé qui va peut-être progresser. Pankov. Et bien joué Pankov qui récupère ce ballon. On est à l'heure de jeu. Toujours 0-0. Mais attention que ça peut partir très vite. Et Elitim. Elitim, Verkun, Elitim qui va chercher Pekhart. S'il se retourne, ça peut le faire. Voilà Tchelaka. Pekhart. Oh, et c'est bien revenu du côté de Hambourg. Et du coup, on va repartir. Et on repart du coup avec Glatzel qui traîne un peu. Il faut dire qu'il n'a pas beaucoup de soutien. Il se retrouve à 1 contre 3. Bénès. Bénès qui avance. La tête Jatta là sur le côté. Glatzel ne l'a pas vu. Il va y aller tout seul. Glatzel va se créer peut-être une occasion tout seul. Glatzel qui va peut-être se retourner. Il est bloqué. Vers Jatta, Jatta, Jatta toujours, qui semble efficace, qui chipote, et ça donne rien. Tobias, attention qui va subir une pression, et finalement c'est dégagé. Il me semble que Hambourg s'en mêle un peu les pinceaux. Ils ont envie de bien finir l'occasion et d'assurer le coup, mais en fait ils n'assurent rien du tout derrière. Au contraire, ils gaspillent les occasions, Et attention que ça pourrait mal tourner parce que le Legia Varsovie pourrait se montrer très efficace avec peut-être une contre-attaque là menée par Kuhn. Goual, attention, Goual qui a un espace. Pekhart. Et pénalty peut-être. Non, l'arbitre dit qu'il n'y a pas pénalty. Le Legia Varsovie qui le réclame une deuxième fois. C'est déjà la deuxième fois qu'on réclame un pénalty côté Legia Varsovie et que l'arbitre décide que non, il n'y a pas de faute. Ah, ça gronde, hein, on les entend les supporters polonais. Et ici, par contre, il y a une faute qui est sifflée. Et elle est en faveur du Legia Varsovie. Et d'ailleurs, changement du côté du Legia. Gil Dias va rentrer pour Goual. Et de l'autre côté, c'est Okugawa qui va rentrer pour Jatta, qui est un petit peu trop chipoté. Okugawa qui avait apporté de bonnes choses lors de sa dernière montée, lors des quarts de finale. Peut-être que c'est la clé, peut-être. On verra. Peut-être un changement payant du coach, nous verrons bien. Et en attendant, là, on est bientôt dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, toujours 0-0. Pour le moment, Hambourg a été plus concret au niveau des occasions. Le Legia Varsovie a plutôt résisté. Donc à voir maintenant ce qu'il va se passer. Si jamais on devait aller dans une potentielle séance de prolongation avec le but en or. À voir ce qui pourrait se passer. Et on progresse avec Tchelaka. Dias. Le nouveau rentrant qui la donne à Kuhn. Kuhn qui avance vers Okugawa. Tchelaka. Tchelaka peut-être un centre. Non, il va avancer. C'est de rentrer en surface. Il n'arrivera pas parce que c'est bloqué. Et Etim qui va revenir vers Tchelaka. Bah oui, évidemment c'est bloqué. Tchelaka, Pekhart qui va essayer de se retourner. Ce sera pas facile face à Chandlo. Il reste 3 minutes. Ah, si une équipe marque maintenant, c'est sûr que c'est terminé cette rencontre. Pekhart qui retient. Ouh, et coup franc provoqué. Chandlo qui est obligé de commettre la faute sur Pekhart qui a bien gardé le ballon. Pekhart qui a joué le coup très intelligemment. Et attention, c'est un coup franc. On se souvient d'un scénario plus ou moins identique. C'était Valladolid lors de son dernier match face à Kilmarnock. Attention que là, il y a peut-être une occasion. Et changement, Rosołek qui rentre pour Pesquera du côté du Legia Varsovie. Et de l'autre côté, c'est Ostunali qui rentre pour Dompé, côté de Hambourg. Et attention à ce coup franc qui va peut-être être botté directement par Dias. Non, Dias il fait une freinte. Rosołek, Pekhart, ça joue à 3. Pekhart et l'arrêt. Et ben voilà la première occasion du Legia Varsovie, elle est concrète. Et l'arrêt de Raab, ce sera un corner pour le Legia Varsovie qui enfin arrive à tirer au but. Une phase à 3 qui sûrement a été répétée aux entraînements. Et attention que là on rentre dans les derniers instants de ce match. Est-ce que le gardien du Legia va monter? J'en ai aucune idée. Parce que là clairement il va rester très peu de temps à jouer. Et non, le gardien ne montera pas, on prend pas de risque du côté polonais. Et c'est parti avec Rosołek, non. Ça va revenir avec Ribeiro. 2 minutes de temps complémentaire d'après monsieur l'arbitre. Est-ce que le dénouement va arriver maintenant? Pekhart, et ça passera pas. Et on va aller aux prolongations. On va aller aux prolongations. But en or. Les deux équipes n'arrivent pas à se départager. C'est une demi-finale très indécise, très équilibrée. Malgré qu'on ait senti une domination de Hambourg dans cette deuxième période. Maintenant à voir. Est-ce que dans la prolongation, est-ce qu'on va avoir droit à un scénario cruel pour Hambourg? Ou est-ce que, au contraire, Hambourg va être récompensé de sa domination? Eh ben on va savoir ça tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que les deux équipes n'en démordent pas. Concrètement, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre sur des détails, comme je vous l'ai annoncé. Là, on peut le voir hein, au niveau des tirs. Il y a un tir pour le Legia Varsovie, 2 pour Hambourg. Clairement, le match est très très serré. Et donc là, on est parti. But en or. Première équipe qui marque se qualifie pour la finale de la Phenomen Cup. Et il y a eu un changement du côté polonais. C'est Jadersic qui est rentré pour Flodzek. Et Bénès est sorti du côté Hambourg. Et c'est Ayer qui est rentré. On va donner un petit peu de sang frais. Peut-être que ça sera une bonne chose. Et voici Ostunali qui n'a pas encore touché de ballon mais qui maintenant a l'occasion puisque nous sommes en prolongation. Ostunali face à Pankov. Et ce sera un corner pour Hambourg, bien provoqué. À voir maintenant ce qu'il en sera. On aura peut-être une occasion de voir. Et on revoit le tir de Matheo Raab. Arrêté. Pardon, la parade de Matheo Raab sur le tir de Pekhart. Juste avant la séance de prolongation avec le but en or. Et on est parti avec Okugawa qui va jouer, non pas en deux temps, il joue directement dans la surface, ça donnera rien. Et ça revient dans les pieds de Hambourg avec Reis. Muheim. Je rappelle que la première équipe qui marque qualifie son équipe pour la finale, c'est le principe du but en or. Ayer qui va provoquer Okugawa. Il va peut-être se retourner, Okugawa qui va peut-être se provoquer une occasion, et attention. Et pas de pénalty, le tacle est correct. D'ailleurs il n'y a pas de Rousse pétance, rien du tout. Et attention au contre, mené par le Legia Varsovie avec Etim, Tchelaka. Tchelaka qui progresse bien. Tchelaka toujours. Rosołek. Peut-être une possibilité. Oui, attention au trou là, Hambourg, heureusement. Ah, attention, Hambourg qui a peut-être laissé un trou. Il faut pas, attention, pas de faute, pas de pénalty, ça serait dommage. De prendre un but en or sur pénalty, ça serait terrible. Ça serait presque condamné sa propre équipe de faire une faute. Et on a vu, ça va être la fin de cette première période. On va sûrement siffler, oui. Donc pour le moment, toujours aucune équipe n'arrive à se dégager. A voir maintenant ce qu'il en sera lors de cette deuxième période de prolongation. Et si pas, vous connaissez la suite, ça sera les tirs au but. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune des deux équipes n'aura démérité. Franchement, elles méritent leur place. Elles sont solides et elles tiennent le bon bout. Alors on est parti pour cette deuxième période. On ne perd pas de temps, on est parti. Et là, c'est le Legia Varsovie qui donne le coup d'envoi. Cette seconde période de prolongation. Et il y a eu un changement d'ailleurs du côté de Legia, c'est Burch qui est rentré à la place de Goustignac et Ferrey est rentré à la place de Meffer, pardon, du côté de Hambourg. J'ai failli dire Yennefer, mais sauf que Yennefer c'est une série, en plus c'est une fille, c'est pas la même chose. Allez, on revient sur notre match au lieu de parler de série Netflix. Et voici Okugawa face à Ribeiro, pas de faute, Ribeiro qui récupère correctement ce ballon et Kuhn qui va tenter d'aller vers l'avant, mais il est bien bloqué, quoique il va savoir quand même arriver par là. Tchelaka. Tchelaka qui progresse. Et le ballon est sorti d'après monsieur l'arbitre. Mal géré ça. Dommage. Le contrôle a été effectué derrière la ligne par Tchelaka. Donc fatalement, ça ne donnera rien. Et on repart avec Ostunali. Glatzel. Et ça revient à côté de Legia. Ça peut aller très très vite, on est dans les 4 dernières minutes. Ouh, et attention, Rosołek qui a réussi à se défaire du marquage de Muheim. Peut-être chercher une occasion. Ça serait bien avant d'aller à une possible séance de tir au but. Et finalement, le ballon a été récupéré. Mais attention, le press est toujours là. Et on repart avec Ferrey, le nouvel entrant, Glatzel. Quelques secondes avant le tir au but. C'est maintenant ou jamais pour Hambourg. S'ils veulent marquer le but en or, c'est maintenant. Reis, Okugawa, Glatzel. Glatzel qui n'aura rien, pas de faute. Et ce sera donc une séance de tir au but qui désignera le premier finaliste de cette Phénomène Cup entre Legia Varsovie et Hambourg. Aucune des deux équipes n'a pu se détacher concrètement. Et donc ici, bah ça y est, il va falloir passer par la loterie. On voit que certains joueurs sont très fatigués, donc ils s'étirent avant la séance. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de dépenses d'énergie, beaucoup de concentration. Et maintenant, bah, c'est entre leurs mains, entre leurs pieds plutôt devrais-je dire. Tout va se jouer au tir au but. On va savoir qui de Hambourg ou du Legia Varsovie ira en finale. On va le savoir tout de suite. C'est parti. Et on commence par le Legia Varsovie avec Pekhart face à Raab. Et ça commence très mal. Raab qui arrête le tir de Pekhart. Glatzel a l'occasion peut-être de mettre Hambourg devant. Et c'est fait. Robert Glatzel met Hambourg devant. Et les teams qui marque pour Legia. Okugawa face à Tobias. Et pour moi, Hambourg reste bien devant. Peut-être que ce tir raté va tout influencer. Oh là là, l'arrêt! Hambourg a l'occasion de se qualifier tout de suite. C'est simple, si le Legia Varsovie vient rater son tir, c'est terminé pour eux. Et c'est Hambourg qui ira en finale. Si Raab l'arrête, c'est terminé. Attention, c'est parti, Raab, contre-pied parfait de Dias, impeccable. Et là, Hambourg a la possibilité de terminer le match. C'est Chandlo, le capitaine, qui va frapper. S'il le marque, Hambourg sera en finale de cette Phénomène Cup. Attention, c'est parti, Chandlo face à Tobias, c'est terminé. Hambourg jouera donc la finale de cette Phénomène Cup. Ils joueront donc la finale de la Phénomène Cup et auront la possibilité de remporter ce trophée et peut-être de renouer avec leurs heures de gloire. C'est officiel, le Legia Varsovie est éliminé de cette Phénomène Cup. Oh là là, quel dénouement. Et en même temps, je vais dire, d'un autre côté, c'est tellement mérité que Hambourg aille en finale. Franchement, ils auront dominé la deuxième période. Ça aurait été pareil au niveau de la prolongation. Et cette fois, bah, ça se concrétise. Bravo à eux. Et du coup, ça y est, nous connaissons déjà un de nos premiers finalistes. Ce sera Hambourg. Maintenant, le tout est de savoir qui du Rapide de Vienne ou de Valladolid ira les affronter. Ça, on le découvrira dès la semaine prochaine, les amis. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé ce match. N'hésitez pas également, avant de partir, de laisser un maximum de pouces bleus, vous abonner, commenter, partager. Et si vous faites tout ça, grand merci à vous. Merci pour votre soutien, les amis. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'autre demi-finale. Ce sera Rapide de Vienne face à Valladolid. Ciao, ciao. Portez-vous bien. N'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. C'était Phenomen Fla. Oh yeah!